le Rhodesian Ridgeback ou chien de Rhodésie à crête dorsale. Le Rhodesian Ridgeback est un excellent compagnon de vie. C'est un chien vif, fort et musclé, mais le Rhodesian Ridgeback reste avant tout doux et affectueux. Le Rhodesian Ridgeback est originaire de la colonie du Cap en Afrique du Sud. C'est à ce jour la seule race de chien native de cette région. Le Rhodesian Ridgeback est un chien fort et musclé avec une crête sur la ligne dorsale. Ce chien a le poil court, luisant et lisse. Sa robe est de couleur froment plus ou moins claire. Les mâles Rhodesian Ridgeback mesurent de 63 à 69 cm au garrot pour 36,5 kg en moyenne, alors que les femelles mesurent entre 61 et 66 cm au garrot pour environ 32 kg. La queue du Rhodesian Ridgeback est de longueur moyenne et portée droite, légèrement courbée vers le haut. Le Rhodesian Ridgeback est classé par la Fédération Cynologique Internationale parmi les chiens courants. Les Rhodesian Ridgeback sont des animaux intelligents. Cette qualité peut vite devenir un défaut chez un chien mâle ou peu dressé. Bien entraîné, le Rhodesian Ridgeback est en revanche un compagnon idéal, un bon partenaire de chasse et même un chien de garde. Cette race de chien a une tendance protectrice naturelle envers sa famille. Il n'est donc pas nécessaire de le dresser comme un chien de garde. Au contraire, ses qualités naturelles de gardien devraient être complétées par une formation élémentaire à l'obéissance. Le standard de la race décrit également le Rhodesian Ridgeback comme « digne, intelligent, distant avec les étrangers, mais sans montrer d'agressivité et sans être craintif ». Le Rhodesian Ridgeback est un chien athlétique et nécessite donc de pratiquer des séances d'exercice régulièrement. Concernant le régime alimentaire du Rhodesian Ridgeback, son alimentation doit être équilibrée afin de répondre à ses besoins quotidiens. L'alimentation du Rhodesian Ridgeback. Alors que le jeune chiot mangera 3 fois par jour, il est préférable de séparer les repas de l'adulte en 2 rations, histoire de le protéger contre la torsion d'estomac. Évitez aussi l'activité physique 1 heure avant et après les repas. Pour limiter les risques liés au sinus dermoïde, il est recommandé d'offrir des suppléments d'acide folique à votre chien. Sinon, si vous adaptez les portions au niveau d'activité de la journée, pour soutenir les moments de travail intense, vous n'aurez pas d'autres particularités alimentaires à surveiller. Le Rhodesian Ridgeback est un compagnon vif et très joyeux. Il déborde d'énergie et nécessite un maître prêt à consacrer du temps à ses loisirs. Il est fidèle et c'est un bon chien de famille, y compris envers les enfants. Malgré son bon caractère, il n'aime pas obéir de façon aveugle et démontre une certaine indépendance. Il est assez timide avec les étrangers, mais il est capable de cohabiter avec d'autres chiens s'il a été élevé avec eux. Sinon, il pourrait faire preuve d'agressivité, surtout avec les autres mâles. Enfin, il peut développer des comportements destructeurs si vous ne lui faites pas faire suffisamment d'exercice. Il a aussi tendance à fuguer si vous n'installez pas de clôture assez élevée pour lui. Il s'adapte à une foule d'activités physiques. Certains l'utilisent encore pour la chasse, que ce soit comme un rapporteur ou un chien d'arrêt. Il adore également l'agility, l'obéissance, le pistage, les jeux où il faut rapporter ainsi que le jogging. L'important, c'est de le distraire et de dépenser son surplus d'énergie. Certains chiens aiment nager, mais ce n'est pas l'unanimité au sein de la race. Dans tous les cas, l'usage d'une veste de flottaison est fortement recommandé. Toilettage et entretien du Rhodesian Ridgeback, avec un poil court. Le poil du Rhodesian Ridgeback se satisfait d'un brossage par semaine, à accentuer en période de mue, printemps et automne.
Avec un pelage propre et sans odeur, le bain n'est pas une nécessité, sauf s'il est très sale. Les oreilles doivent être particulièrement vérifiées et nettoyées, car il est sujet aux otites. Il faut également lui nettoyer les yeux avec une lotion adaptée. Les griffes du Rhodesian Ridgeback poussent vite et même s'il se dépense suffisamment. Il peut être nécessaire de lui couper de temps en temps en utilisant un coupe-ongle adapté. N'hésitez pas à consulter un toiletteur professionnel ou votre vétérinaire si vous ne savez pas comment faire. Éducation du Rhodesian Ridgeback. Il est très important de commencer son éducation très tôt. Chien de chasse dans l'âme, il faut le socialiser rapidement avec des congénères et d'autres animaux pour éviter qu'il ne court après tous les petits animaux qu'il va rencontrer, mais aussi avec d'autres personnes pour amoindrir sa méfiance naturelle. La marche en laisse est aussi à lui apprendre rapidement pour canaliser cette appétence pour la course. Intelligent et têtu, il a cependant tendance à n'en faire qu'à sa tête. La moindre faiblesse ou incohérence d'éducation ne lui échappera pas et son maître en fera les frais. Il a donc besoin d'une éducation ferme, cohérente mais douce, car il ne supporte en aucun cas la brutalité. Le renforcement positif donne de bien meilleurs résultats, car non seulement le chien est motivé, mais le lien maître-chien est renforcé, ce qui est parfait pour ce toutou qui aime son maître par-dessus tout. Le Rhodesian Ridgeback est un chien globalement en bonne santé, selon le sondage 2014 sur la santé des chiens de race pure du Kennel Club du Royaume-Uni. Plus de la moitié des animaux étudiés ne présentaient aucun signe de maladie. Les premières causes de décès chez le Rhodesian Ridgeback sont les cancers, type non précisé, et la vieillesse. Comme les autres chiens de pure race, il est cependant susceptible de développer des maladies héréditaires. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la dysplasie de coxo-fémorale, le sinus dermoïde, la myotonie congénitale et l'hypothyroïdie. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.